Allez les amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, guidance intemporelle, vous prenez que ce qui vous parle. Merci beaucoup pour votre bienveillance, vos commentaires. N'hésitez pas à partager mes vidéos, commenter, liker parce que effectivement, ça me permet d'être un petit peu plus visible. Voilà les amis. Allez, on a les honneurs, on a la couronne, on a... vraiment cette notion de choses positives, on a peut-être retrouvé les rênes de sa vie aussi. Il y a peut-être de jolies récompenses également avec la maison. Pour moi, et là j'entends une étoile aînée. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, une étoile aînée. La star c'est vous peut-être. Voilà, peut-être qu'il y a une notion aussi de récompense, voilà, il y a du mouvement hein, qui arrive, mais pour moi ce mouvement c'est vraiment la notion de peut-être récolter les fruits d'un dur labeur, peut-être avoir des récompenses avec les honneurs, peut-être être reconnu aussi, il y a des choses qui avancent pour être reconnu, il y a voilà, il y a du mouvement, hein, mais c'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie, c'est comme si la reine c'était vous en fait. C'est comme s'il y avait cette notion de récompense aussi, on me dit. Et aussi, peut-être que certaines personnes reconnaissent vos valeurs, reconnaissent quelque chose en vous, hein, avec les honneurs, vous êtes reconnus. Et j'entends vraiment, la star, c'est vous, quoi. Donc, il y a peut-être cette notion-là aussi. Peut-être que dans les prochains jours, il y aura des choses qui feront que soit vous aurez une visibilité, soit vous récolterez les honneurs de quelque chose, soit vous serez récompensé. En tout cas, voilà, la star, c'est vous, j'ai envie de dire, avec ce tirage, parce que c'est ce que j'entends en clair audience, les amis. Voilà, donc laissez-vous porter par ça. C'est comme si vous étiez enfin reconnu, c'est comme si vous aviez des récompenses qui arrivaient. Voilà, regardez, je dis récompense et il y a cette notion d'abondance, les amis. Peut-être que un cadeau arrive vers vous, des récompenses, j'ai vraiment cette notion avec le déplacement. Vous êtes peut-être enfin à votre juste place, vous êtes peut-être enfin reconnu dans ce que vous êtes, dans vos valeurs, dans ce que vous transmettez. Il y a aussi la notion de réussite qui arrive en fait avec le déplacement, une réussite qui arrive par rapport à quelque chose, par rapport à une famille, un foyer, quelque chose que vous avez fait depuis chez vous. Voilà, hein, il y a vraiment aussi la notion de récompense, les amis, qui arrive vers vous. Voilà, donc, et j'entends vraiment la star, c'est vous, donc je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Peut-être que vous avez enclenché des choses dans votre vie et ça y est, enfin vous en récoltez les fruits. Parce qu'avec les honneurs et l'abondance, pour moi, il y a cette notion de récolter les fruits sur certaines choses. Alors, si vous avez des choses positives qui vous arrivent, là, on est en train de me dire avec le secret de le partager qu'avec des gens fiables. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parce que la réussite attire peut-être autour de vous un peu des jaloux, tout simplement. Vous avez peut-être le retour de quelqu'un avec lequel il y a eu une séparation, avec lequel vous étiez en mode silence. Alors, on nous parle de famille, donc peut-être c'est quelqu'un qui reviendra vers vous ou votre famille. C'est peut-être en lien avec un membre de votre famille. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette notion de réussite, quoi. Et ensuite, j'entends aussi quand même que certaines personnes vont avoir des récompenses, vont être reconnues pour certaines choses, dans leurs valeurs, dans leurs choses comme ça, et que si ça leur sourit, de aussi peut-être ne pas le partager avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants ou heureux pour vous. J'ai aussi cette notion-là avec ce tirage, les amis. En tout cas, on voit que la star, c'est vous, que vous allez être reconnu, que vous allez être récompensé par certaines choses, que même s'il y a eu des choses difficiles, il y a vraiment voilà, le fait d'enclencher quelque chose où vous récoltez les fruits. Voilà. Donc, on prend, hein, on prend, on accueille, c'est du favorable, c'est du positif. Voilà, les amis, donc on se laisse, voilà, on se laisse...
On se laisse guider par ça et on accueille tout ce qui arrive, les amis. Alors, peut-être que vous êtes passé par aussi une mode rupture dans certaines situations. Il a fallu peut-être rompre avec certaines situations, mais on vous dit vraiment qu'aujourd'hui, vous rentrez dans une phase où ça n'a plus rien à voir avec ça. Peut-être que vous avez été en repli sur vous-même aussi pendant un temps et on vous dit que là, enfin, vous rentrez dans une période où vous allez être reconnu à votre juste valeur. Donc ça, ça parle aussi peut-être de personnes qui se sont séparées. Qui ont pris de la distance avec certaines personnes, qui se sont peut-être repliées sur elles-mêmes suite à des ruptures. Et là, on rentre dans une phase où ça n'a plus rien à voir, quoi. Cette phase pour moi de silence et de c'est derrière vous et qu'aujourd'hui vous allez enfin pouvoir profiter de certaines choses. Vous allez peut-être pouvoir reprendre une place dans une vie, reprendre les rênes de votre vie. Il y a cette notion de récompense et d'être reconnu, les amis. Voilà, moi je pense qu'avec le printemps, il y a cette notion de nouveauté, de récolter hein, aussi hein, les fruits de certaines choses. Peut-être que certaines personnes ont passé beaucoup d'énergie à essayer de créer des choses, et il y a cette notion que même si ça a été long, aujourd'hui ça s'accélère avec le déplacement hein, pour moi. Il y a quelque chose qui, autant ça a été long, eh ben voilà, il y a l'accélération, la rapidité. Et c'est ce qui me venait avec le cheval au-dessus. C'est-à-dire que même si ça a été long, il y a quelque chose qui se débloque d'un coup. Il y a vraiment cette notion de choses qui a mis beaucoup de temps à germer. Et au printemps qui se débloque, mais de façon très rapide. Voilà ce qui me vient. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'être reconnu à sa juste place, d'être récompensé aussi et de reprendre vraiment le pouvoir, le contrôle sur sa vie, quoi. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, je pense que certaines personnes, ça parlera à certaines personnes qui sont passées par des ruptures et des séparations et que la reconstruction a peut-être été très longue. Mais là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque d'un coup. Et avec la notion d'abondance, peut-être que vous avez eu des difficultés au niveau matériel et financier dans une maison, dans un foyer, que les choses ont été compliquées, que les choses ont été gelées. Et là, il y a vraiment cette notion de retour à l'abondance. Hein. Donc, croyez en vous, les amis, parce que c'est ce qu'on me dit également. Croyez en votre potentiel de solutionner les choses, de faire tourner les roues, d'aller vous chercher des opportunités. Il y a quelque chose qui a été très très long à arriver, mais qui là arrive d'un coup. Comme si les choses qui étaient figées, gelées jusqu'à maintenant se débloquaient d'un coup. Voilà ce qui me vient, les amis, avec cette guidance. Allez, je continue. Alors, on a relâchance, hein. La chance, les honneurs, l'abondance, la notion d'être guidé dans la bonne direction, la notion que certaines choses arrivent d'un coup alors que vous ne les aviez pas prévues. Voilà, et s'il y a des ouvertures qui se font, des solutions qui arrivent, c'est vraiment parce que vous devez être guidé dans cette direction tout simplement. Voilà, donc peut-être que vos efforts sont récompensés les amis aussi. Peut-être que vous êtes passé par des longs apprentissages et que voilà, ça vous a demandé du temps, mais que là, ça y est, c'est enfin le bout, c'est enfin la fin. Vous pouvez vous relever aussi peut-être des combats difficiles. C'est vous qui sortez vainqueur, hein, quoi qu'il en soit, avec cette couronne, les honneurs, que tout ce que vous avez franchi, vous ne l'avez pas fait pour rien. Et qu'aujourd'hui, c'est vous la star, c'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre vie, c'est vous qui recevez les récompenses par rapport à des choses que vous n'avez pas lâchées ou que vous avez désirées, dans lesquelles vous vous êtes investi. Il y a vraiment tout ça qui se joue. Et j'ai aussi la notion que les choses ont été très lentes, mais que là, les choses se débloquent d'un coup. Voilà les amis, ce qui me vient avec cette guidance. Allez, je continue. Il y a la loi, l'échec et la santé. Donc, peut-être que vous allez recevoir peut-être des choses favorables qui vont vous demander peut-être de couper avec d'autres choses. Voilà ce qui me vient, les amis. Ou alors que vous êtes passé par des choses qui ont été instables, des choses qui ont été en mode échec, des choses qui ont été très longues à traverser, en fait. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce retour à la santé, les choses qui se débloquent, enfin, voilà quoi. Alors, vous avez certainement traversé quelque chose qui a été déséquilibré ou peut-être que suite à un échec sur un engagement, il y a eu des déséquilibres, il y a eu des séparations, il y a eu des choses comme ça, mais on vous dit que aujourd'hui, vous renversez tout ça, aujourd'hui, vous retrouvez la santé, aujourd'hui, vous guérissez, en fait, de partout, de ce que vous avez traversé, pardon.
Il y a cette notion d'accélération de mouvement pour aller dans une direction qui est riche, et c'est comme si vous récoltiez les fruits, c'est comme si vous étiez récompensé, c'est comme si vous étiez reconnu. Il y a vraiment toute cette notion là, hein. Et c'est comme si, ben voilà, ça vous permet de guérir de ce que vous avez traversé, et ça se débloque complètement d'un coup, quoi. J'ai vraiment ce ressenti, les amis. Allez, je continue. Donc c'est beau quand même. C'est beau, c'est beau. Allez, on vous dit qu'il y a des choses qui s'ouvrent, des réponses qui ont tardé à venir, mais les choses qui se débloquent d'un coup avec la croisée des chemins, avec même peut-être plusieurs possibilités. Il y a vraiment cette notion et cette fin de cycle qui s'en va, en fait. Et on repart sur du renouveau, mais positif, parce qu'il y a quand même cette notion de réussir, de récompense et de on reconnaît vos valeurs, ou on reconnaît enfin vos valeurs. Voilà ce que j'entends, les amis. Peut-être que vous avez traversé quelque chose où vos valeurs n'étaient pas reconnues, où vous n'étiez pas à votre juste place, ou voilà, on reconnaissait pas ou vos talents, ou vos forces, ou votre... Vos valeurs, oui, que vous portez en vous. Peut-être que vous avez été mal entouré par certaines personnes, voilà. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette notion aujourd'hui de récompense qui arrive, en fait, tout simplement. Ça a été long, on m'a dit, ça a été long, mais ça se débloque d'un coup. Ça s'accélère. Et ça va vous faire prendre peut-être ou finir de vous libérer de certaines choses dans lesquelles vous n'êtes pas bien, et ça vous permet de démarrer quelque chose. Alors, on me dit que vous l'avez attiré à vous, donc je pense que vous avez mis en place des choses, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez investi du temps, de l'énergie dans certaines choses, et qu'aujourd'hui, enfin, on vous envoie ou les bonnes personnes ou les bonnes situations, en fait. Ça vous apporte vraiment beaucoup de paix, de sérénité, et il y a une très belle guérison derrière qui s'opère. Vous allez pouvoir enfin peut-être balayer les choses du passé, hein. Y a la nostalgie, hein. Y a vraiment un retour au mieux-être, à la paix, à la sérénité. Je pense que vous êtes ou redirigé dans une direction qui est faite pour vous, dans laquelle on reconnaîtra vos valeurs, ou vous récoltez les fruits de certaines choses que vous avez mis en place. En tout cas, on voit que après un moment où peut-être vous avez été dans une instabilité, des séparations, des choses qui ont été compliquées, vous retrouvez le pouvoir sur votre vie, vous êtes récompensé, vous êtes reconnu. Voilà, la star, c'est vous, et c'est encore ce que j'entends, les amis. Alors, on me marque, non, continue de croire en tes rêves. Je pense que certaines personnes ont baissé les bras aussi dans le fait d'être reconnues par rapport à certaines choses, ou d'aller dans une direction qui les porte. Et on vous dit en fait que de vraiment arrêter avec ces non, que c'est pas possible, et de vraiment continuer à croire en vos rêves, à croire que vous pouvez briller, que vous pouvez atteindre ce que vous voulez atteindre, que vous pouvez rencontrer des personnes qui reconnaissent vos valeurs. Voilà, il y a tout ça. Et avec le non, j'ai l'impression que ça parlera aux gens qui n'y croyaient plus ou qui n'y croient plus. Et là, on dirait que d'un coup, il y a quelque chose qui y a une roue qui tourne pour que vous puissiez être récompensé ou reconnu à votre juste valeur. Voilà, chers amis, pour cette guidance. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, surtout. Profitez bien, surtout. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye.